Tu m'entends? Elle est... Halt. Halt. Allez, me fais pas ça. Putain. Johnny. Qu'est-ce que tu fous, là? Putain, tu filmes encore? C'est tout ce qui reste à faire. Montrer la vérité aux gens. Ça changera rien. Elle est... Johnny! Arrête, Johnny! Tu vas le tuer! On doit partir. Johnny, elle est morte. Bon, ben vas-y, crache ce que t'as à dire. Thompson, il lui est arrivé quoi? Je sais pas, on n'a plus jamais bossé ensemble. Peut-être parce que tu lui as botté le cul pour te sentir mieux? Je sais pas, c'était un vautour. Il voulait se servir d'Halt depuis le début. Quand Arasaka l'a liquidé, pour lui... C'était Noël en avance. Putain, il l'aurait tué lui-même s'il l'avait pas fait. Tout ça pour son scoop de merde. Tu m'as jamais rien dit de tout ça sur Halt. Ah bon? Quoi, qu'est-ce que je t'ai pas dit? Je sais pas. Que vous étiez en couple. Qu'elle a codé le tueur d'âme. Qu'elle est morte. Comment elle pourrait nous aider maintenant? C'est un fantôme. Elle est pas morte. Elle a réussi à s'échapper. J'ai vu son corps. Halt s'est enfui. Sur le net. T'as découvert ça quand? Quand elle m'a contacté, un peu après. Et alors? Elle t'a dit quoi? Qu'elle était prisonnière du sous-réseau d'Arasaka. Mais qu'il pouvait rien lui faire. Et elle m'a aussi dit de pas aller la chercher. Hein? Pourquoi? Elle tenait à ce que, pour une fois, je laisse tomber l'affaire. Elle disait que trop de gens étaient déjà morts pour rien. Et alors, qu'est-ce que t'as fait? J'ai commencé par me procurer 2 charges thermonucléaires. Et après, t'es retourné à la tour Arasaka. Allez, foutons le camp d'ici. T'es sûr qu'Halt est toujours là? Ça fait un demi-siècle. Et t'es resté coincé tout ce temps dans Mikoshi. Et toi, tu aurais pu la localiser il y a des années. Oh, ils ont bien tenté, crois-moi. Mais ces débiles de corpo peuvent rien contre une IA qui sait comment fonctionnent les gens. Ils la cherchaient dans le Crystal Palace. Alors qu'elle, elle construisait Ghost City pour Kang Tao. Et Rock t'a suivi. Encore. Je l'ai bien payé. T'as dit toi-même que c'était la meilleure, qu'elle avait des tas de contrats. Mais pour une raison étrange, elle a accepté d'aider un rocker suicidaire. Un rocker qui se faisait toujours laminer par Arasaka. C'était une autre époque. Les mercenaires étaient pas encore vendus au corpo, gamin. Il suffisait simplement de gueuler « Allons-nous faire Arasaka » pour tous leur filer la trique. Y compris Rogue. Les Voodoo Boys pensent savoir où elle est, derrière le mur noir. Là où personne pourra l'atteindre. Et Brigitte est bien décidée à y aller, à le percer. Juste pour contacter Halt, pour lui parler. En plein dans le mille.
Le construct, il est dans quel état? Il reste assez de données non corrompues pour dire à Alt qu'il est authentique. Ça veut dire quoi, bordel? Alors, ça a marché? Oui. On a extrait un fragment de l'engramme de Silver End. Maintenant, on est prêt à contacter Alt. D'abord, on doit aller plus profond. Au-delà, il n'y a plus de frontières. Au-delà du monde. Peu de gens sont passés de l'autre côté. Aucun n'en est encore revenu. Elle sera la première. Vous savez pas du tout ce qu'il y a derrière. Mais nous le saurons bientôt. Et toutes ces formes que je vois. Des IA libres, sans entrave, qui cherchent un passage. J'ai fait ma part du marché. À votre tour. Avant de traverser ce mur, vous allez me retirer la psyché de Johnny. Nous n'allons pas le traverser. C'est toi qui emmèneras le code de l'autre côté. J'ai pas vraiment le choix, on dirait. Vas-y. Je fais pour le traverser. Brigitte ? Halte ! Détends-toi, je m'en occupe. Johnny. T'as traversé le mur noir pour me voir. Ça veut dire qu'entre toi et moi, ça va? Tout va bien? J'ai reconnu le code de ton engramme. Mais j'ignore pourquoi tu es là. Pour que tu puisses me remercier de t'avoir sorti de la tour Arasaka. V, je te présente Alt, la meilleure netrunner de l'histoire de Night City. Alt, voici V. Il faut que tu lui sauves la vie. T'as fait quoi, Brigitte? Elle est toujours en vie? Oui, mais je n'ai pas besoin d'elle pour l'instant. Qu'est-ce que tu veux? Ça va me coûter quoi, pour que tu me sauves la vie? La propagande de Netwatch a été efficace. Ai-je l'air d'un démon qui va t'obliger à signer un pacte avec ton sang? Écoute, j'essaie juste de rester en vie. Je ne peux pas t'aider. Tu peux pas ou tu veux pas? Je ne peux pas. Pour pouvoir essayer, il faudrait que j'aie accès à une technologie plus avancée. Quoi? Mais c'est ta tech. Tu as créé le tueur d'âme. Le programme que j'ai créé n'a plus grand-chose à voir avec ce que Arasaka a fait depuis. Bon. Et Mikoshi, t'en dis quoi? Ce serait assez avancé pour toi? Si j'avais accès à Mikoshi, alors elle cesserait d'exister. Bien, on va pouvoir s'entendre. On te fait entrer dans Mikoshi et tu es élevé. Marché conclu. Concrètement, tu peux faire quoi pour moi? Tout le monde m'a dit que c'était trop tard pour moi. Tout le monde, ça veut dire Hellman? La crevure qui bossait pour Saburo? Avec le tueur d'âme intégré dans Mikoshi, je créerai un construct de toi, puis je démêlerai ton réseau neural de celui de Johnny. Ensuite, je réinjecterai ton engramme dans ton enveloppe charnelle. Bon, on a un plan alors. Mais comment atteindrez-vous Mikoshi?
J'ai créé des armées qui ont échoué à s'y introduire. C'était des enfants, Kunet. C'est ça le problème. Nous, on mise sur le facteur humain. On va ouvrir une fenêtre, te faire entrer dans Mikoshi. Alors, on est d'accord? Oui. Trouvez un moyen d'entrer dans Mikoshi. Je vais préparer un programme pour vous aider à naviguer sur leur réseau local. Je te contacte comment quand je suis prêt? Voici une adresse de forum. Ce sera notre canal de communication sécurisé. On fait quoi pour les Voodoo Boys? Ils ne te feront rien. C'était nos conditions. Tu as réussi à survivre, alors. Ce serait intéressant de voir comment va tourner votre marché avec Alt. Ce sera pas facile de la manipuler, et j'ai l'impression que c'est tout ce que vous savez faire. Tu oses me faire la leçon ? Je préfère qu'on règle nos comptes. J'aurai pas de meilleure occasion. Ça suffit. Alt peut te protéger dans son royaume, mais ici tu es dans le mien. Je devrais m'en sortir quand même. Sous-côté, à 10 parties.
Non, Pam! Descends l'abîme! Évidemment que c'est la puce. Ma qualité aiguë s'arrange pas. Est-ce que t'insinues que c'est ma faute? Putain! C'était ton cœur. Pose-toi un peu. Faudrait pas que tu clames alors qu'on a un boulot à faire. Je sais. Anéantir Asaka, détruire Mikoshi, bla bla bla. Eh, t'es vraiment en train de devenir comme moi. On n'arrête pas de s'engueuler comme deux petits vieux sur le banc d'un parc. Je crois qu'il serait temps qu'on se fasse un peu plus confiance. Je te hais du plus profond de mon être. Comment te faire confiance? Tu veux que je te rappelle comment on en est arrivé là? Ça sert à rien de t'énerver. T'es pas dans ton état normal. L'ancien V va pas tarder à disparaître. Bon alors, t'es prêt? Ouais, on se remet au boulot. Ok, c'est parti. Merde, c'est pas bon ça.